Oui, il fait souvent moche. Oui, Paris est souvent plombé par la pluie. Oui, la France souffre du mauvais temps plus qu'à son tour. Mais est-ce une raison pour rester tout seul devant sa télé ou son internet ? On vit avec des écrans, de toute la technologie. Mais rien ne remplacera des êtres humains en chair et en os devant d'autres êtres humains en chair et en os dans une salle de théâtre. Bah moi, je suis d'accord avec Michel. Quel que soit le temps, il y a de bonnes raisons d'aller au théâtre. S'il pleut encore, ne vous laissez pas impressionner par les flaques et foncez tout droit au Théâtre Marigny, à côté de l'Élysée. Vous y verrez, après tout, si ça marche, la pièce adaptée du film de Woody Allen. Sûrement l'un de ses meilleurs textes, d'ailleurs, entre la farce et le sérieux, la satire et le romantisme. Avec Michel Boujna et Nora Arnzeder. Si je te disais que je commence un peu à flasher pour toi, je dirais non. S'il fait beau, dites youpi. Youpi ! Merci. Et baladez-vous donc sur les grands boulevards jusqu'au Théâtre Antoine pour y voir Inconnu à cette adresse qui n'est plus joué par Thierry Frémont et Nicolas Vaude, mais par Bruno Solo et Samuel Le Bihan. Parce qu'on est en mai, c'est écrit là au-dessus. Bien installé dans votre siège, vous y recevrez une petite claque avec ce texte chirurgical sur la montée du nazisme en 1933. Je crois qu'à nombre d'égards, Hitler est bon pour l'Allemagne. En plus, le théâtre possède un bar magnifique pour réfléchir à tout ça après. Sartre y venait souvent dans ce bar. Pour réfléchir à tout ça, après. Si la nuit tombe, laissez-vous gagner par la méditation et rendez-vous ici, au Théâtre de la Madeleine, pour une pièce plus sombre, comme le dit lui-même Michel Aumont. Oui, très sombre. Accompagnés de Catherine Niegel, ils incarnent des parents dont le fils, parti sans raison, revient sans raison non plus. Un grand texte en tension de Jon Foss, l'écrivain norvégien de toutes les distinctions. S'il fait nuit noire, gardez vos neurones éveillés en allant au Théâtre des Champs-Élysées voir Déshabille et Meaux. De et avec Léonore Chey et Flore Lurienne, voilà un spectacle qui vous en mettra plein l'intellect et plein les mirettes. Comme on a fait des grandes psychanalyses lacaniennes, toutes les deux depuis 37 depuis très longtemps que nous sommes des grandes malades, on a compris que les mots, c'était des mots M-A-U-X. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient ? Ben c'était pareil. Ah, il y a encore Lacan dans la bande-annonce, mais c'est pas ma faute là. Pour finir, signalons Pouic Pouic au Théâtre des Bouffes Parisiens avec la famille Astier aux commandes. Vous verrez que le pétrole rime avec escroquerie. Qui l'eût cru, hein ? Et puis au Théâtre La Bruyère, les 39 marches, du Hitchcock remixé récompensé par deux Molières. Sans oublier Volpone au Théâtre Le Ranelagh sur l'argent qui rend fou. Bon, vous l'aurez compris, en mai-juin au théâtre, il y a de quoi lutter contre le mauvais temps. Et ça durera toujours. Youpi ! Da 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 da